Salut à tous, c'est Romain. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va apprendre à donner le premier coup de poing en karaté. Donc maintenant qu'on a appris à bien fermer ses poings, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai en barre de description le lien pour aller voir ça. Maintenant qu'on a appris à fermer les poings, on va pouvoir apprendre à donner un coup de poing en toute sécurité. Alors, on se retrouve de l'autre côté pour voir ça ensemble. Alors, maintenant que les poings sont bien fermés, on répète encore une dernière fois ensemble, les mains tout en haut, j'enroule les doigts, ma patte d'ours, mon pouce en dessous, les poignets bien droits. Je viens coller mes deux poings à la hauteur de mon plexus. Donc le plexus, c'est le petit creux que l'on a juste au milieu de la poitrine. Je vais venir tirer mon poing gauche à ma ceinture. Donc quand je tire mon poing à ma ceinture, en même temps, je vais tourner mon poignet pour avoir les doigts qui vont aller vers le plafond. Donc, la hauteur du poing va être soit sur la ceinture, soit un petit peu plus au-dessus. Une fois que j'ai fait ça, je retends mon poing devant moi. Je fais la même chose avec mon poing droit. Toujours la rotation du poignet. Je ramène devant. Je tire mon poing gauche. Je ramène mon poing gauche devant. Je tire mon poing droit avec la rotation du poignet. Je tire mon poing droit. Maintenant que la première étape est faite, on va refermer ses poings que l'on va mettre devant. Je tire mon poing gauche à ma ceinture. Donc surtout, on n'oublie pas la rotation du poignet. D'accord ? Et quand je vais ramener mon bras gauche devant moi, en même temps, je vais tirer mon poing droit à la ceinture. Je tourne les poignets et je viens tirer à chaque fois mes poings à la ceinture. Donc, maintenant que les coups de poing, on a réussi à le donner. Attention, certaines erreurs à ne pas faire. La première, décoller le coude pour donner le coup de poing. Donc ça, ça ressemble beaucoup plus à de la boxe, au crochet que vont donner les boxeurs. Nous, en karaté, même si ce coup de poing existe, les trajectoires sont beaucoup plus linéaires, beaucoup plus droites. Donc, il faut faire attention, quand je donne mon coup de poing, je dois avoir les bras qui longent le corps. Et surtout pas comme ça. D'accord ? Toujours longé, je viens frôler le corps, je longe pour faire une trajectoire la plus droite possible. Et bien évidemment, on fait attention à ne pas avoir les poignets cassés vers le bas, vers le haut, vers la gauche, vers la droite. On garde toujours le poignet bien aligné avec son avant-bras. Voilà, on vient de voir ensemble comment donner le premier coup de poing en karaté avec les petites astuces et surtout les erreurs à ne pas faire. Donc maintenant que le coup de poing est donné, on va passer sur une autre vidéo où on va apprendre le premier blocage. Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt !